Alors, nous sommes déjà en mars. Nous sommes déjà en mars. L'année a déjà commencé. Les nouveaux Canadiens sont déjà là. D'autres sont en train d'arriver. Voilà, j'ai pensé à faire beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a des nouveaux arrivants qui m'ont écrit. Ils m'ont dit, Stelle, grâce à tes vidéos, on a permis, nous sommes arrivés au Canada. Et maintenant que nous sommes là, on a besoin de toi. J'ai donc une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Restez scotchés. On se retrouve juste après le générique. Alors, cette vidéo concerne tous ceux qui ont déjà le visa ou tous ceux qui sont déjà arrivés au Canada. Ça fait un an, ça fait deux ans. Même ceux qui sont là, ça fait 5 ou 6 ans ou plus, hein, et qui ont besoin, voilà, de discuter avec des personnes immigrantes comme eux, qui ont l'envie de réussir, qui ont l'envie de progresser, qui ont l'envie de se surpasser et surtout de maîtriser un peu mieux ce système canadien. Je prévois faire beaucoup de choses cette année pour vous parce que il ne suffit pas d'arriver au Canada, il faut réussir son intégration et ça passe par beaucoup de choses. Donc avant de faire ça et de continuer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se disent « c'est quelle fille ?» Bon, je suis Stelle Diffard, je vis et réside au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée ici comme étudiante aujourd'hui. Vous allez m'excuser, hein? Mes enfants sont… j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ces lunettes-là. Et comme il y a le soleil, je ne peux pas les enlever. Parce que ce sont des lunettes pour… ce sont des lunettes médicales, hein. Ne voyez pas ça comme ça, c'est juste… juste fumer. Voilà, je disais que je suis Stelle Diffard, je suis arrivée comme étudiante aujourd'hui, résidente permanente. À travers mes vidéos, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Mais alors, vraiment, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Maintenant, on passe à la deuxième étape, vous permettre de réussir et de ne pas faire… commettre les mêmes erreurs que nous, que moi, j'ai commis lorsque je suis arrivée parce que je n'avais pas ces personnes-là sur Internet qui pouvaient m'expliquer les vraies choses de comment ça se passe au Canada. Alors, à part ça, je suis entrepreneur. Oui, à part être créatrice de contenu, j'investis beaucoup en immobilier au Canada. Mais, bref, je suis vraiment entrepreneur et mon mari aussi est entrepreneur. Donc, je vis dans l'entrepreneuriat et je côtoie du monde qui sont entrepreneurs à chaque jour. Alors, voilà ce que je vous propose, chers nouveaux arrivants ou ceux qui ont déjà le visa du Canada. Je vous propose de faire cette année des visioconférences. Et vraiment, je ne vais pas accepter tout le monde. Ça va vraiment être un nombre très limité. Oui, pour qu'on puisse se comprendre, pour que je puisse répondre à toutes vos questions lors des visioconférences. On va vraiment réduire le nombre pour qu'on puisse se comprendre facilement. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que chaque mois, nous allons choisir un thème sur lequel nous allons débattre. On peut peut-être dire qu'aujourd'hui, nous allons débattre sur, je ne sais pas moi, l'immobilier. Demain, nous allons débattre sur le crédit. Le mois qui suit, nous pouvons débattre sur comment trouver l'emploi quand tu viens et tu es nouveau arrivant au Canada. Ensuite, on peut débattre sur, je ne sais pas moi, les erreurs à ne pas connaître ou la vie, la vraie vie du Canada. On peut débattre une autre fois maintenant pour les nouveaux sur, je ne sais pas moi, voilà. On peut débattre sur beaucoup de sujets. On va y penser à chaque conférence. On peut décider que voilà, la semaine prochaine, c'est un autre sujet. Et ainsi de suite. Vous voyez, voilà ce que je prévois faire. Et on va le faire une fois par mois. On va décider de la date. On va vous proposer. Et ceux qui seront intéressés, vous allez m'écrire par email. Et voilà, on va vous donner les modalités pour pouvoir y participer. Voilà ce que je vous prépare pour cette année, pour les nouveaux arrivants qui souhaitent vraiment réussir au Canada. Je pense que c'est la meilleure façon pour moi de vous aider et de vous partager mon expérience et peut-être parfois d'amener d'autres entrepreneurs lors de ces visios pour vous partager leur expérience. On aura peut-être l'occasion de voir des entrepreneurs qui sont ici au Canada dans divers domaines qui viendront vous partager leur vécu, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à bâtir un univers aussi solide au Canada parce qu'il y a des Africains qui sont vraiment, 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 mais alors vraiment calés au Canada.
ce genre de personnes que tu les vois, tu les minimises, mais quand on te parle de leur portefeuille, tu trembles. OK? Donc, je pense à faire cela. On va d'abord commencer par visioconférence. Et puis, si les choses se passent bien, on va peut-être passer aux conférences en live, en vrai, avec vous, ceux qui peuvent se déplacer ou pas. On va voir tout ça. Mais on commence d'abord pour voir votre engouement et pour voir si vous êtes disposé réellement à réussir. L'FT canadien, je vais te dire ici là que vous n'avez pas besoin de prendre autant de temps que nous, comme moi. Moi, je pense que aujourd'hui, quand je regarde, je pense que j'ai pris trop de temps pour réaliser ce que j'ai réalisé. Je n'ai même pas encore réalisé grand-chose, mais je pense que j'ai pris trop de temps pour le faire. Et je pense que si j'avais eu des personnes qui m'avaient dirigé un peu plus tôt, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas fait, que j'aurais fait peut-être. Et aujourd'hui, je serais sûrement plus loin que ça. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous à travers ces visioconférences-là. Vraiment, je pense que ça va être très bien. On va s'amuser, en même temps, on va faire des choses importantes pour toi et pour moi. Il est important que vous compreniez que le Canada, c'est un très grand pays avec des possibilités énormes en entrepreneuriat et que même si tu es un étudiant, tu peux déjà voir comment ça se passe et tu peux, en tant qu'étudiant, entreprendre au Canada sans problème. Oui, c'est vrai. Donc, voilà donc, je pense que vous avez compris ce qu'on veut faire. Si vous appréciez cette idée, vous n'oubliez pas de me dire oui, 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 go, 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 on est prêt, on est prêt. Et vous m'écrivez surtout par email pour qu'on puisse vous donner les modalités. Et on va prévoir commencer dans un mois ou dans deux mois, dépendamment du nombre de personnes qui se connectent et tout ça. On va voir. De toute façon, je suis disposée cet été à cheminer avec vous, nouveaux arrivants, pour que vous puissiez le faire. Bon, voilà. Je pense que j'ai dit, je suis très excitée de commencer ce nouveau chapitre avec vous. Et je pense que vous allez aimer ça. Je pense que dans un an, vous allez dire, waouh, j'ai réalisé ça, j'ai réalisé ci. Parce que vous savez, on appelle ça du réseautage. Dans la vie, il n'y a rien de mieux que de se connecter avec des personnes qui ont le même objectif que vous ou qui ont la même vision que vous ou surtout des personnes qui peuvent vous faire avoir une vision différente sur la vie, des personnes qui peuvent vous faire avancer plus rapidement, ok? Et quand il y a plusieurs personnes comme ça autour de vous, voilà, ça vous pousse, ça vous pousse. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marie qui m'a poussée. Il m'a poussé vraiment, même si j'avais déjà un tout petit peu ça, mais lui, il avait ça et il m'a poussé. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous. On va se pousser ensemble pour arriver à nos objectifs financiers. Et ça passe par tout ça. Comprendre le système, entreprendre. Et pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, même étant salarié, de voir comment vous pouvez investir, faire des choses nouvelles et puis voilà, réussir. Moi, je vais vous parler déjà peut-être comme ça de l'histoire de deux personnes que j'ai connues, voilà. Que j'ai connu et quand j'ai entendu leurs histoires, je vais vous raconter l'histoire de deux personnes. Il y a une personne, je vais vous raconter ça en live quand on va passer en visioconférence et peut-être on aura l'occasion de rencontrer ces personnes-là qui viendront vous expliquer leur aventure en live. Alors, si c'est le cas, tu fais ce qu'on a dit, n'est-ce pas? On se retrouve dans une autre vidéo. Big up! Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet, c'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence,
on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet. Pour un entretien avec moi, tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile, tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir, c'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi, on est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac, c'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très, 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 très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?